What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses de la meilleure des façons possibles. Moi, ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Je rentre du taf. Je suis mort, mais demain, je suis en repos. Donc, qui dit repos demain, dit grosse séance. On va faire ça bien parce que c'est important. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc que j'aime pas faire. Faire deux gros muscles. Séance pec dos. Franchement, j'aime pas un pec dos parce que le truc, c'est que la gestion de la force et ton énergie, elle va être dure à gérer, tu vois. Pec, c'est un gros muscle. Dos, c'est un gros muscle. Et tout bosser intelligemment en même temps, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais on va faire ça bien. On va faire ça bien. Toujours le traditionnel échauffement des épaules. Parce que c'est important. Et après, on attaque les pecs. Et franchement, le travail aujourd'hui m'a fatigué. M'a fumé. Allez. Ok. Je prends un booster. J'ai un petit shot de pré-workout. Je vais prendre après là. Ça va m'aider. Et tu sais, quand je prends des shots de pré-workout, je suis un autre homme. On va faire ça bien. On va essayer de monter au moins jusqu'à 50 en pec. En dos, je sais pas ce qu'on va faire. Mais en pec, on va essayer de bien monter à 50. Là, ce qui est bien, c'est que comme on est samedi, tu vois, il y a très peu de gens à la salle, enfin très peu de gens, il y a moins de monde à la salle. Donc on pourra se faire d'autres machines que des trucs aux haltères. Donc ça, c'est bien, notamment pour le dos. Et pour les pecs, les meilleurs exos, c'est haltères. Faut pas se mentir. J'ai vraiment un peu les épaules. Encore. Chercher une congestion. Et après, on sera bon. Allez. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, parfait. Là, je sens que je vais conditionner très très vite ce soir. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Comme je t'ai dit, on va prendre le petit shot. Celui-là. Pré-workout shot de MyProtein. Comme j'ai dit, hein, c'est pas un shot très puissant, mais au moins je vais respecter les doses de caféine, je serai bien, j'aurai un bon pump, je serai énervé et je pourrai faire ma séance de la meilleure des façons possibles parce que c'est important. Là, tu vois, là, je le prends vraiment parce que j'ai envie de faire une grosse séance. J'ai envie de tout exploser, j'ai envie de tout éclater. Donc, je vais faire ça bien. Là, je suis en pleine réflexion de développement de mon activité de vidéaste parce que je l'ai laissé en stand-by pendant moins de 2 ans, pas seulement. En 2 ans, j'ai pas construit de vidéo. J'étais plus pris dans mon déménagement dans ma tête que faire des vidéos, avoir des clients, faire grossir mon entreprise. Là, j'ai envie de reprendre ça en main tranquillement. Et ça va bien se passer parce que j'ai des plans, notamment avec des salles de sport. Au début, je le bossais avec Fitness Park en vidéo, mais j'ai plus trop envie, tu vois. Je vais bosser avec des salles locales, des petites salles, et faire du bon contenu avec eux. Énergie gel, goût, strawberry flavor. C'est pas blueberry de base. C'est pas grave, c'est bon quand même. T'as environ 2 gorgées. 2 gorgées et demie, tu vois. Quand tu le bois doucement. Et c'est très très agréable. Ça agresse pas la gorge. Ça, c'est bien. On va se faire un petit exo. Pour bien reprendre nos épaules. Encore au combat. On va bloquer 2 secondes et on va à la 10. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6,
1, 2, 7. 1, 2, 8. Allez. 1, 2, 9. 1, 2. Ok, 10. Parfait. 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 On va commencer avec 20 kilos. Développé couché. Standard. Et là, je pense que je vais faire l'incliné, là. Je vais faire l'incliné. Normalement, comme tu me suis, hein, tu sais ce que je pense du développé incliné aux haltères. On va recommencer, on va faire que le haut des pecs, là, pour l'instant. On va commencer par le haut. Allez, c'est parti. 20 kilos. Échauffement. On va faire la double contraction. Tranquillement. Pour bien pratiquer les pecs. 8 ou 10 reps. C'est léger. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Ok. Par contre, faut que je fasse attention parce que tu vois, mon micro il est là. Et la charge très lourde, j'ai tendance à donner un coup de pec avec les haltères. Du coup, mon micro, je vais le centrer plus là. Ça va être mieux. Si on a 30, ça va. Enfin, on a 20, ça va. On va prendre les 32, après, ça va être pareil, tu vois. Il y a un seul 32. Bon, on va prendre les 34. Je pense que ça va aller. Mais dans tous les cas, je vais déplacer mon micro là, parce que sinon... Même si j'en ai 3, si je le casse, c'est pas bon. Ça coûte cher. Bon là, j'ai pris les 34. Parce que 32, je trouvais pas malheureusement. Quand je trouve pas, je prends plus haut. C'est ma punition de non-patience. Quand je suis pas patient à chaque fois, je m'afflige de prendre un poids plus haut. Donc si par exemple une personne vient me dire excuse-moi il te reste combien, 4, je lui donne et je prends les 40, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Soit c'est pour aider les plus faibles, soit c'est la punition de non-patience, tu vois. Mais là ça va, 34 kilos, je vais faire 8 répétitions. Et après la première série elle va commencer à 44, à l'incliné. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas mis le lourd à l'incliné. Je sais pas si les 5 ans j'ai déjà su dans l'incliné. Mais normalement oui je pense. Hein, je pense. Mais je sais que j'ai réussi à l'incliné et faire ça bien. Et aussi j'ai remarqué un truc par rapport à ma dernière vidéo PEC, c'est que quand je bosse à l'incliné en lourd, et ben j'ai tendance à me mettre. Enfin à arquer mon dos un peu. Un peu comme ceux qui font n'importe quoi avec le développé couché là, tu vois. Parce que je m'habitue à mettre mes omoplates sur le banc, tu vois. Je les mets tellement sur le banc que mon corps il se lève tout seul. Donc je vais essayer d'être bien plat au banc, d'être bien droit le plus possible. Si je marque un peu, c'est pas grave, mais j'essaie de pas trop le arquer. Ok, faire ça bien. Allez, c'est parti. 34, c'est rien. On envoie. Ouh. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Oh. Franchement, c'est dur, hein. C'est dur, là. En 4, c'est... Là, je sens ma journée de travail, quand même. Pré-workout, il agit pas bien pour l'instant. Je vais essayer de faire réveiller mon pré-workout là. Parce que c'est pas bon. Vu comment la 34 elle est passée, c'est sûr que la 44 elle va me faire super mal. Et la 50 elle passe pas. C'est sûr. Allez. Ça va aller. Oh. Franchement. Faut que tu en vois là. J'ai un energy gel, j'ai déjà envie de le boire. Alors que la séance n'a même pas commencé. C'est un délire. Normalement, c'est à partir du deuxième, troisième exercice. C'est bon, tu vois. Mais là, on est même pas encore lourd là. 34 kilos, c'est rien.
Allez, on passe à 44 et on commence l'exercice, enfin notre série. On commence à compter 44 kilos. On va essayer de s'énerver et on va y aller. Normalement, pas besoin de m'énerver pour ça. Pas besoin. Je sais que là, j'ai mon incliné. J'ai plus l'habitude de bosser en incliné. C'était mon point fort avant. Je rappelle la première fois que j'ai poussé les 60 en série de 10 ou 8. J'étais sur un banc incliné, tu vois, première fois. Parce que j'ai plus de poids, je me sens mieux, je me sens à l'aise. Alors maintenant, c'est fini, c'est parti. Ça peut revenir vite, mais faut que je me réhabitue. Et là, hein, c'est un peu dur à dire, mais je me sens débutant dans ce mouvement. Même si que voilà, 44, c'est lourd, tu vois. 34, c'est lourd, tu vois. Mais le fait que je suis pas à l'aise à 30 fait que je me dis compliqué, tu vois. Compliqué pour la suite. Il faut que je me focus. Allez, c'est parti. Fais ça bien. C'est rien. C'est rien, c'est léger. C'est léger. 44, c'est rien. Ok. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8. Ok. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est pas normal. J'ai incliné le banc à 15 degrés. Parce que pour moi, c'est la meilleure inclinaison pour sentir un peu le haut du pec. Si je le mets à 30 ou plus, c'est mort. Je sentirai que les épaules, deltoïde intérieur. Et j'ai pas envie. Ce que je vais ressentir, c'est mes pecs. Première série. On va essayer d'en faire 3 là. On va pas en faire 4. Vu qu'on va faire plein d'exos. 3 séries à chaque fois, c'est bien. On va monter. On peut pas rester comme ça. Pas possible. Bon, je vais dire ce qui se passe. De base, je voulais prendre les 50, mais ils sont déjà utilisés, tu vois. Donc, je prends les 52, malheureusement. 52, tu vois. J'ai bien galéré hein, avec les 44. Je les ai passés, mais j'ai galéré. Là, les 50, il faut que je dépasse. J'ai pas le choix. Enfin, les 52. Ainsi que pour moi, en fait, tant que je dépasse pas 60, je suis à 50. C'est-à-dire que si je suis à 52, 54, 56, en plus, je suis à 50. Comme les 30, tu vois. Comme les 40 d'ailleurs. Là j'allais passer. Parce que de 50 à 52, il n'y a rien, tu vois. Si je pouvais prendre les 50, je pouvais prendre les 52. Ça n'a pas changé grand chose pour moi. Faut que je les envoie. Il m'en reste 2. On en fait 3. On met de l'intensité. On va pas se cramer de fou. Pour le premier exercice, mais je vais mettre de l'intensité. En fait, j'ai envie de te faire un programme où je mets de l'intensité parce que c'est important. Je vais voir ce que je vois parce que tu vois, ce sens là, moi je les regarde quand je suis dans le mal, quand je suis voilà, je les regarde et je me dis putain, là j'étais motivé. Là, faut que je retrouve cette motivation, même quand je suis KO, je suis fatigué, faut que je la retrouve. Et là, je sors ça bien. Allez, c'est bon, je suis chaud, pas d'assistance, personne derrière moi, pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin d'assistance. Vous voyez. Allez. C'est rien pour toi, ça. C'est lourd, mais c'est rien. C'est rien. Tu vas les envoyer. Tu vas faire 8 reps. C'est presque 60, là. Tu vas faire 8 reps. Fatigué, mais tu vas faire 8 reps. Allez, comment? Hey.
5, allez. Si je peux pas faire mon 8, je peux pas. 7, je peux pas. Oh. Oh. 8. Je peux pas faire moins. Je pouvais pas. Oh. Je pouvais pas faire moins. Pas possible. Pas possible. Oh, je pouvais pas. Le mec qui avait 2,50, il les a ramenés. Je vais les prendre pour la dernière. Mais 52, je peux pas faire 8. C'est pas possible. C'est à l'incliné. C'est pas le même mouvement. C'est un peu plus dur que le coucher normal, mais 52. Je pouvais pas. Je pouvais pas faire 5 reps, 6 reps. Impossible. 8 reps. 8. Même si je suis fatigué, 8. Là, on prend les 50 là. Non, on va rester à 52, c'est bon, c'est bon. On va rester à 52. On va rester à 52. On va prendre un 3, 4 minutes de repos. On va repartir. On va repartir. Franchement, j'ai hâte d'aller dans la nouvelle salle de sport que j'ai vue là. Salle de sport, piscine, jacuzzi, tout. Hammam. J'ai hâte. Bon, je pensais que je ferais des vidéos dans la piscine, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Tester une salle haut de gamme, musculation, voir si on se sent mieux, si le cadre et tout il est optimal pour bien s'entraîner. Et puis voilà, sachant qu'en termes de business, on va pas se mentir, quand tu t'entraînes dans une salle haut de gamme, et ben les adhérents, les gens à qui tu parles, tu vois, c'est pas les mêmes qu'à Fitness Park ou dans une salle low cost. Et ça, c'est bien, c'est intéressant pour les affaires, les business, pour même la vision. Avoir un carnet d'adresses différent, tu vois, c'est important, c'est vraiment important. C'est logique, si j'avais été coach diplômé, qu'est-ce que j'aurais fait mal, vraiment. Mais l'année prochaine, si ça se passe bien, je vais essayer de passer mon CQPIF. Je vais essayer. Déjà, faut juste que je me stabilise niveau taf, clairement. Niveau taf, niveau emploi, payer mon loyer tranquillement. Je trouve un petit créneau de 3-4 mois. Je me mets en sans solde, je sais pas ce que je fais et je passe mon CQPIF. Parce que c'est important. Faut que je tue tout là. Vraiment, faut que je tue tout. C'est important. 52. On va repartir. On va envoyer. Ça va être dur de refaire 8 reps. Je cache pas, ça va être dur. Parce que la 8ème, je l'ai cherché à partir de 5. Ça commençait à bloquer. Et les autres, je suis vraiment allé les chercher. Même si c'est un bon incliné, même si c'est un peu plus dur. On en voit. Ok. Oui. C'est rien. On voit. C'est rien. 52, c'est bien. Comment? Ok, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ça va, je suis content. J'ai envoyé 7 reps, je suis content. La deuxième, je pouvais pas faire moins de 8. Mais celle-ci, ça va. Je suis content. On voit que le manque de force avec la chaîne de travail, ça fait effet sur mon corps, vraiment. Pré-workout ou pas, je sens que le taf il m'a fatigué aujourd'hui. Mais c'est bien, c'est très très bien. Là je vais me faire une espèce de pré-fatigue en précipitation, développé, incliné aux haltères. On va essayer d'aller à l'échec, histoire d'avoir une bonne congestion. Et peut-être on va passer au neutre. Là je suis juste un exo. J'ai pris 12 kilos.
On va chercher de la contraction et de la sensation. C'est intéressant. Encore une fois, ça, ces exos, je les vois dans des vidéos de sport, de bodybuilding, de professionnels. J'essaye. Et si je suis en sensation, je les intègre dans un programme. Just exo. C'est un exo que je mettrais bien en mode développé couché neutre, lourd et charge légère, comme ça, échec. Ça prend 4 fois. Ça, incroyable. Je vais pas le faire là. Hein. Parce que le but, c'est pas que de me tuer les pecs, c'est de garder un peu de la force pour les pour le dos, pardon. Et peut-être un exobras à la fin. Tu vois, je connais, j'ai un débardeur en dessous. Peut-être un exobras à la fin. Mais je dois garder un peu de force pour le dos. Donc, là, on avait les 12. C'est bien. On va passer en neutre. Cette fois-ci. Est-ce que je garde le banc incliné? Je crois que je gardais le banc incliné, je crois. Comme ça, ça va bosser principalement que la partie haute. Et puis, on sera bien. Sachant que incliné, bosser en incliné en neutre, j'ai un peu plus mal au poignet. Si ça fait trop mal, je remets le banc droit. Et je pourrais pas mettre très lourd là, malheureusement. Donc, je pense que je prendrai les 30. S'il y a un 30, c'est très bien, 30, ça va. Est-ce qu'il y a une congestion là? Est-ce qu'elle se voit bien? Est-ce que ma congestion se voit bien à travers ce haut my protein qui est bien? Franchement, je kiffe le haut comme ça. Tu vois, les hauts qui sont longs, qui sont large, mais qui serre que les bras, c'est incroyable. Bon, après moi, c'est vrai que j'ai des bras à faire cet effet-là, mais franchement, je kiffe. Quand c'est que les bras qui sont serrés, je kiffe. Il faut que les pecs aussi soient serrés, mais tu vois, le fait d'avoir les bras, épaules serrées, je kiffe. Bon, développé couché, neutre, incliné. On va essayer de faire 8 reps, pas de tempo, pas de blocage, juste de la sensation et de la destruction. Allez, on y va, on fait ça bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, ah ouais, ça fait mal, 6, 7, 8, ok. Oh. Alors, ça fait mal, mais je suis dans une zone de confort, pas agréable. Je t'explique. C'est lourd, mais pas assez. Du coup, on va mettre un peu plus lourd. Peut-être que c'est le booster qui agit, je sais pas. Mais c'est vrai que sur le banc droit, je le fais à 50, ça. 50, 52, je le fais. J'ai vite gagné en force dans ce mouvement. Mais on va pas monter de beaucoup. Là, on a 30, on va peut-être prendre les 36, 38, 40. Allez, 40, c'est bon. Voilà, je ferai les 40. Je ferai les 40, c'est bon. Parce que sinon, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va pas tenir. Pour moi, si je prends 32 ou 34, c'est comme si que j'étais sur 30. Donc, 40 kilos. On passe un step, il m'en reste 2. Peut-être que le pré-workout agit, on sait pas. Il est déjà un peu tard, mais il agit. Donc 40 kilos. Il m'en reste 2, comme je dis, je fais 3 séries. 2 gros exercices. Et après, je suis bien. Là, je repensais à la salle que je t'ai dit, la salle avec piscine, jacuzzi et tout, pour collectif.
Je pense que c'est une salle où je serais à l'aise et tranquille pour filmer. Parce que, si tu veux, ces salles-là, les gens, quand ils s'inscrivent, c'est pas pour faire de la muscu, à proprement parler. C'est juste pour aller à la piscine, c'est juste pour faire des cours collectifs, être encadré avec des coachs. Et moi, si tu veux, je serais tranquille. Je pourrais venir avec ma caméra, je fais ce que je veux et tout. Ouais, parler, je pourrais être bien. Et je pense que la musique, elle sera pas agressive, elle sera pas forte là-bas, tu vois. Donc, franchement, j'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte. Parce que première séance d'essai là-bas, je viens avec ma caméra, je filme et tout, je te fais peut-être un vlog où je te montre la salle, je verrai. Mais je vais te montrer plein de choses. Je vais te montrer plein de choses. Parce qu'il faut vraiment que je bosse avec cette salle après. Il faut que je bosse avec eux. J'ai vu un peu les photos, ça a l'air cool. Mais il faut que je bosse avec eux. Et de toute façon, je t'expliquerai en détail si je bosse avec eux, ce que je fais, comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire, le but dans tout ça. Et puis, on va se faire une place dans le game. On va se faire une place dans le game. Bon. Ceci étant dit, on a bien parlé, mais on a les 40, on va les assumer, on va faire ça bien. Balancer, 8, rep. C'est parti. Allez. Fais ça bien. Là c'est bien, là c'est bien, là j'ai mal, je peux pas faire plus de 8, c'est excellent. D'ailleurs, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Dams, quel poids je prends en musculation? Quel poids je prends pour la prise de masse? Comment je fais pour choisir mes poids? C'est dur, parce qu'on peut pas choisir à votre place. En tant que, je suis pas coach, mais je suis des personnes en suivi sportif, je peux pas choisir à leur place. Ils sont obligés de faire ce travail d'autonomie, de choisir quelles charges ils peuvent pas dépasser 8 reps, 10 reps ou 12 répétitions. Prendre une charge suffisamment lourde pour faire ces séries, mais suffisamment moyenne, légère pour bien faire ces séries. Tu vois, par exemple, je peux prendre les 60 kg et faire un mouvement. Je peux faire par exemple 6 reps, mais le mouvement il sera dégueulasse. Donc c'est pas bon. Autant prendre les 50 et faire un mouvement propre, tu vois. C'est important. C'est une charge plus légère, mais qui reste lourde pour mon mouvement et pour ma prise de masse. Et quand je vais bien maîtriser ces 50-là, à moi de faire les choses intelligemment, passer à 52, passer à 54, 56, jusqu'à arriver à 60 kg, ok? Encore une fois, moi quand je passe à l'échauffement de 30, à 40, à 50, à 60, sans faire d'échelon, c'est que mon corps il connaît déjà ses charges. Mon corps, il a eu la prévention. J'ai fait le travail avant, tu vois. J'ai fait le travail de passer les paliers des 30 kilos, des 40 kilos, de 40 à 50 kilos, tu vois. J'ai fait tous ces paliers-là. Avant de passer les 40 kilos, je me suis levé 34 kilos, 36, 38. Pendant longtemps, pendant des mois, tu vois. J'ai pris de la créatine, histoire de gagner un peu plus en force. De 40 à 50, c'est vraiment la créatine qui m'a vraiment aidé à contrôler, maîtriser ce mouvement. Et là, de 50 à 60, si tu veux, quand je fais les 60, c'est vraiment aussi grâce à la créatine, tu vois. Mais là, faire une série de 60 sans créatine, c'est compliqué. Donc, il y a le travail, il y a les compléments alimentaires, il y a ta rigueur, tout ça, qui va faire en sorte que tu pourras choisir les bons poids, maîtriser les bons poids et soulever plus lourd. Bon, là, ça fait deux sujets en un, mais au moins, le sujet est traité. Donc, c'est important, les gars, c'est important. Travailler sur ça. Je vais me poser un peu, parce que je suis soufflé, je ne veux que te parler. Et après, on va passer à la dernière à 40 kilos. 40. Normalement, on l'assume, normalement. Allez. Hey. Oh. Fais ça bien. C'est la dernière. C'est rien. Booster à la J. 8 reps. Trois.
6, ouais. 7, last. Ok, 8. Wow. Wow. Franchement, 40, c'est la charge parfaite pour ce mouvement. Pas faire plus de 8 reps, vraiment. Oh. Ok, on va poser ça. Bon, exercice dos, on va faire la rowing machine. On va le travailler en deux façons, ok? On va faire une première salve en lourd, en unilatéral. Pour l'instant, j'ai mis 80 kg de chaque côté. Je pense que ça va être suffisant. Je pense pas que ça va être trop lourd. On va bosser 10 ou 8, je pense plus 8 parce que c'est lourd de chaque côté. On va se reposer et après, on va mettre une charge beaucoup plus moyenne et bosser avec les deux bras tranquillement. Là, j'ai pas envie de rêver le système nerveux, me faire mal, montrer à mon corps qu'on veut vraiment se tabasser. Donc, je suis obligé de le faire comme ça. J'aurais bien voulu le faire en 10-10-10, mais j'ai envie de mettre très lourd dans la phase unilatérale. Et comme je suis tout seul, il y a à peine une personne pour retirer les poids, recharger et tout, j'ai pas envie de me fatiguer à retirer, remettre, retirer, remettre. Et donc, je vais le bosser en deux fois. Et ça, c'est pratique, c'est tout seul, je t'invite aussi à le faire. Mais avant tout ça, je vais boire mon Energy Gel. Parce que oui, on a fait l'exercice, on est bien. Donc, il me faut du carburant. Franchement, meilleur gel de chez MyProtein. Meilleur gel. Meilleur gel. C'est incroyable. Comme j'ai dit, hein, code d'âme, t'as un truc à prendre. Prends tes trucs et prends ça aussi, tu verras. Tu feras tes séances. Quand tu seras fatigué, tu prends ton Energy Gel et tu verras, ça va te faire du bien. Vraiment, ça va te booster. Donc ça, c'est bien. Je vais le prendre. Je vais le boire. Et je vais faire le tour de la salle, on va passer à l'exercice 1. Mais je pense que je vais enlever mon haut. Je pense, hein, là, c'est bon là. Je pense qu'après, on va le faire habiller pour réveiller le corps. Et la deuxième, on retire comme ça, on fait ça bien. On fait ça vraiment bien. Vas-y, je bois ça et je te retrouve après. On va faire du 8-8. Comme je t'ai dit, cette machine, j'aime être debout. Il y a un petit dossier pour s'asseoir, j'aime pas du tout. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ok. 5, 6, 7, 8. Oh, ça fait du bien. C'est du bien de remettre l'eau. Ça fait du bien. J'ai envie de tester ça. J'ai envie. Ce sera pas pareil. Hein. Je pense que je vais fail, mais j'ai envie. Je me sens. On va tester, faire ça bien. On a retiré le haut. Hein. Là, on est en god mode. Donc, normalement, ça va bien se passer. Allez, on va essayer de faire 8. 8 si je peux pas. 6, 6. Ok. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Oh. Je sais pas si on a entendu la série parce que mes bras ont tapé le micro vu qu'il est là, il est à côté. Mais 6. 6 c'est bien. Oh. On va retirer et retourner à 80. Mais 100 c'est bien, 100 c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Bon là j'ai remis 80 kills. J'ai mis le micro vers là. Je sais pas si on va bien entendre le mouvement. Parce que le problème, c'est que sinon on va frotter contre le dossier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, ok, ok, pour bien bosser et aller au palier des 100,
je dois bosser à 90 kilos. 80, j'en fais 10. 100, j'en fais 6. Je dois mettre 10 kilos de chaque. Et bosser comme ça, petit à petit, mais il me manquerait un poids à la 100. Il me manquerait un. Il me manque pas grand chose. Mais c'est peut-être un objectif. Peut-être. On a fait 3 séries. Du coup, on va retirer. On va se mettre peut-être à 40 kilos. 40, c'est bien. Et on va bosser avec les deux bras en large, tranquillement. On va se faire 3 fois 10 répétitions. 40 kilos de chaque. 10. Bon, normalement, ça le fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 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 Oh. C'est fou comment en unilatéral t'es fort, hein. Mais quand tu bosses avec les deux bras, t'es moins fort. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'il faut alterner. Quand tu peux bosser en unilatéral, bosse en uni. Tu vas vraiment gagner de la force. Et tu n'auras pas ton bras le plus fort qui va prendre l'ascendant à chaque fois, tu vois. Donc c'est important. Bosse en unilatéral. Franchement, j'aurais aimé te faire des angles un peu plus larges que ça, mais j'ai pas envie de gêner les gens autour, tu vois. Il y a un peu de monde. Parfois, ils passent et tout. Je vais pas les gêner. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok. On est bien. On est bien. Moi, j'ai mal. J'ai mal, mais on est bien. On est bien. Pas facile, hein. Pas facile, ça fait mal. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu évolues, tu progresses, tu allais loin, faut se faire mal. Faut se faire mal. La congestion, elle est pas mal. Elle est là. Pas encore au niveau que je veux. Mais elle est là. C'est la dernière. On va envoyer 10. Tranquille. Et puis, exercice suivant. J'ai dit aujourd'hui le thème, c'est qu'on envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Tu vois, normalement, je devrais te filmer mon dos. Parce que ça passe le dos, tu vois, mais le truc c'est que juste derrière moi c'est la ligne centrale où tout le monde passe pour rentrer ou pour quitter la salle ou pour changer d'espace. Du coup je peux mettre ma caméra en plein milieu, tu vois, ça sert à rien. Ça va plus gêner les gens qu'autre chose. Donc je te filme le mouvement de face, mais ça bosse le dos. Et ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Quel exercice je vais faire maintenant? Quel machine de torture je vais choisir? On va peut-être faire du tirage horizontal. On va faire ça bien. Allez, tirage vertical de la poulie. Là, on pourra voir mon dos un peu. J'ai mis 40 kilos. Parce qu'en fait, je sais pas si je pourrais soulever lourd ou pas. Ça va jusqu'à 100 kilos. On va prendre une prise assez large. Et on va voir ça, on va faire direct. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On est plus lourd. 1m60. 40, c'est léger, c'est très léger. Donc, 60. 60. Première, comptez pas, parce que c'est trop léger. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 kilos. Je pense pas que ça allait être aussi facile. 80 kilos, c'est le sec qu'on peut en appeler. 80 kilos,
Je sens que ça me fait pas mal. La série compte pas. Faut que ça fasse mal. Je pense que 80 ça commence à faire mal. Allez. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh. Ouais. Là, elle compte celle-ci. Là, elle compte. Par contre, comme mon micro, il descend, ça me fait un soutif. C'est incroyable. Ça me fait un débardeur de stripteaseur brésilien. Mais bon, c'est pas grave, on est balèze. C'est plus important. Bah ouais, les gars, tant que ça me fait pas réellement mal, les séries commencent pas. Je jauge en termes de poids, en termes de force, en termes de ressenti. On a commencé à 60, léger. Non, on a commencé à 40, pardon, je crois. Léger, 60, léger. 80 kilos direct. Là, beau ressenti. Je mets 90, je sens que ça va faire mal. Parce que 80, ça a piqué. Ici, les 90, les 8, elles passent bien. Et bien, on met tous les poids de la machine, 100 kilos. Et on valide cet exercice. Mais normalement, ça va le faire. Normalement, ça va le faire. Là, je vais me filmer de face aussi. Et si tout se passe bien pour les 100, bah je me filme de dos. Comme ça, on verra les poids, on verra tout. On va flex un peu et ça va être cool. Allez, faire ça bien. 90 kilos, c'est lourd. C'est lourd. Presque mon poids. 91, c'est moi avec un poids de 1 kilo dans les mains. Allez. 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernière 100 kilos, tous les poids de la machine, très très bien. Par contre, sois pas choqué avec les poids, hein, parce que là je mets 100 kilos, je mets tous les poids de la machine, mais j'ai testé plusieurs tirages verticales. Il y en a, ils s'arrêtent à 60 kg, 70 kg, je ne peux pas tout soulever. Il y en a, ça s'arrête à 140, 150 kg, 180 kg. Je pouvais soulever presque 140, presque 160. C'est que selon les machines, selon les poulies, le poids que tu soulèves n'est pas réellement le ressenti que tu as, tu vois. Donc peut-être que les 100 kg, ça ressentit 80 kg, 90 kg ou plus, tu vois. Mais chaque poulie est différente. C'est juste à la sensation. Bon, pour l'ego, ça fait du bien de mettre tous les poids. Mais peut-être que je soulève moins que ça. Ou alors un peu plus que ça. Tout dépend de la machine, en vrai. 100 kilos, on a tout mis. On va faire la dernière, tranquillement. Après, je remplis ma gourde parce que j'ai plus d'eau. Normalement, on passe les 8, normalement. Si 80, c'est bien passé. 90, c'est bien passé. 100, ça va piquer, mais ça va passer. Au moins, 8 reps, c'est rien. On a pris un shot de pre-workout aujourd'hui. Plus la séance est dure, plus le pre-workout il agit. C'est important. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Partir de 7, non, partir de 6, je faisais pas des mouvements complets. Je sais pas si ça se voit bien dans mon mouvement, mais 7, je descendais pas bien en bas. C'est lourd, c'est dur. Donc, si je devrais faire ce mouvement ici dans cette salle en le travaillant intelligemment, je resterai à 85 kg. 80, ça va, c'est bien. 90, c'est bien, mais je resterai à 85-90 kilos pour être bien. Si plus tard je m'énervais, je soulevais les max partout, être très très fort et m'assurerais comme ça en 4-5 séries, 85-90 kilos pour être bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On a fait deux exercices d'eau. Je vais faire du tirage horizontal, pardon.
mais c'est le même exercice qu'on a fait tout à l'heure à la rowing machine, tu vois. Tu vois qu'on a fait les deux, c'est comme si qu'on avait fait du tirage horizontal, tu vois. Mais on l'a pas fait en lourd. Est-ce qu'on fait du tirage horizontal en lourd? Vas-y, on va le faire, c'est bon. Tirage horizontal à la poulie, je vais prendre ça là, cette prise là, serrée. On va se faire 3 fois 10 répétitions. Là j'ai mis 70 kg directement, tu vois, c'est pareil, ça fait jusqu'à 100 kg. Et je pense que là ça va faire un peu plus mal, clairement. Donc on va tester à 70 kg, normalement 70 kg, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour être bien, pour avoir des bonnes sensations. Donc on va faire ça bien. Première série, je vais les faire de face. Après je vais voir si je peux en faire de dos, ça va être dur hein, parce qu'il y a des gens qui passent ici derrière. Donc on va tester ça, on va faire ça bien. En tout cas là je me sens bien là. On est vers milieu, fin de séance. Je me sens bien, je me sens réveillé. Je me sens prêt à enchaîner encore d'autres exercices. Donc peut-être après ça on va faire un peu les bras. On va se tuer. Donc vas-y, on va tester hein. 70 kg. Et on verra ça. Je la mets. Je vais essayer de faire une bonne amplitude. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ouais, je reste comme ça. J'aurais pu être plus lourd si j'avais une ceinture. Mais là, on va rester comme ça. J'ai même envie de baisser. Là, 60 kg. Mais je vais rester parce que ça tire un peu sur les lombaires. Mais je vais laisser. Je fais juste 3 séries. Je vais bien reposer. Bien boire aussi. J'ai rempli ma bouteille. Et après, on va repartir tranquillement. Bon, on reste 2. 2. 2. Et on est bien. En tout cas, la congestion, elle est là. Même au niveau des pecs, la congestion, elle est là. Allez. Fais ça bien. Congestion. Au niveau des bras, elle est là. Tu sais, quand tu bosses le dos, tes bras, quand ils sont en point fort, ils prennent beaucoup. Les bras, ils prennent énormément. Donc, les biceps, ils commencent à se réveiller. Même si on va les fumer tout à l'heure. Mais ils commencent déjà à se réveiller. Ça, c'est beau. Bon, c'est une dernière là. Et après, je suis bien. Dernière. Last. Dernière. Vous voyez ça bien. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux, c'est pas vraiment un point fort. C'est pas vraiment un point fort, mais j'y travaille. Avec les bras dieux, c'est difficile d'avoir un bon dos. Vraiment, super dur. En tout cas, là on est bien. On va matraquer les bras un peu. Et puis, voilà, on va se mettre. Enfin, c'est un point cool. Je vais me mettre là. C'est parti, on va se tuer. Mais comme il faut, j'ai encore un peu de force. Vu que je suis bien congestionné, j'ai envoyé 30 élévations latérales, 6 kg, bien contrôlé, histoire
de flex un peu et de me faire du bien aux épaules. Et d'avoir les bras et les épaules congestionnés. Vu qu'après, on va faire des exobiceps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Franchement, je suis bien au niveau des épaules. Je suis vraiment bien. Les gars, j'ai trouvé une barre. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. C'est, tu vois, la barre en prise neutre. Quand je vais te la montrer. Cette barre-là, là. Franchement, j'aime bien les sensations. C'est comme si tu fais un double câlin de marteau. Tu vois. Donc, on va faire 15 reps. Il y a 2 poids de 5 dessus. C'était déjà comme ça. Je voulais pas changer les poids. Donc, 15 reps, c'est bien. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ça me donne envie de monter au niveau des poids. Ça me donne envie de monter. Je vais mettre 2 poids de 10. 10 ou 15 reps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Franchement, ça va. J'ai envie de mettre 2 poids devant, mais le problème c'est que quand je fais le mouvement avec les 10, mes avant-bras touchent un peu les disques. Poids devant, j'ai peur que je puisse pas faire le mouvement. Et que ça soit trop lourd aussi, parce que franchement, 10 c'est lourd. Mais on va essayer. On va essayer. On est là pour essayer de toute façon. On est là pour se faire mal, mettre lourd. On est là pour envoyer aujourd'hui. Demain on est en repos, donc c'est pas grave si on se réveille pas. J'ai mis 2 poids devant là. 2 poids devant, 40 kilos. Je sais pas la barre, elle fait combien, elle est légère. Donc on va dire que la barre elle pèse 0 kg. Donc là on est à 40. On va envoyer. On va envoyer tranquillement. Essayer de faire 10 reps au moins. Essayer de faire 10 reps. Temps de repos au moins d'une minute depuis tout à l'heure. C'est lourd. Super lourd. Allez. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, dernière, 10. On est bien. Même si je peux pas faire le mouvement en entier, ça touche les avant-bras et tout. Mais au moins, on a fait ça. C'est lourd. 40 kilos sur ça. Jamais fait. C'est une première. Honnêtement, je peux encore monter. Mais pour aller bien lourd, faut que je mette que des poids de 5. Chaque côté, j'en mets plein. Ou des poids de... Non, des poids de 5. Parce que le poids de 10, ça touche aussi. Donc que des poids de 5. Bon, là, un exercice spécial congestion. 10 d'un bras, 10 de l'autre bras, 10 et deux bras. Là, on a 15 kilos. Je sais pas si on va assumer. On va se mentir, c'est lourd. Mais on verra. Fais ça bien. Toujours en spination, sinon c'est pas drôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça va être dur, les deux. Ça va être dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Ça va être dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Wow. C'est une dinguerie. Biceps, j'ai pas besoin de faire 4 fois le même exercice. C'est pas une séance biceps. Là, on s'amuse. On va faire que des enchaînements drôles qui font mal, tu vois. Oh. Mais ouais, franchement. Alors, je suis bien là. Sachant que là, j'ai fait le choix de rentrer en marchant. Donc j'ai 25 minutes, 30 minutes de marche. Tout dépend à l'allure où je marche. Donc là, je pourrais me tuer. Mon dernier bus est passé, je l'ai vu. Parce qu'en fait, devant la salle, on a une baie vitrée où on voit nos bus pour rentrer à la maison. Comme on est à la campagne, tu vois. Mon but, j'ai essayé de passer, du coup, je traversais les champs et je marchais. C'est pas grave, c'est pas un souci. Là, j'ai fait une pause de 10 minutes environ, j'ai discuté un peu avec le frérot de la salle. Là, je vais faire un exercice que j'aime bien faire. Un curl en neutre et un curl en rotation. On va se faire ça. Hop, 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 hop. 10 fois. Ça, ça donne une bonne congestion au niveau des bras. 15 kilos. Toujours. Allez. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Allez. Cinq. Six. C'est long, super long. Sept jusqu'à dix. Huit. Allez. Neuf. Je pense que je vais arrêter la séance là. Je perds du contenu vertical parce que j'ai encore beaucoup de force et ma vidéo elle va durer 1h40, tu vois. C'est pas optimal. Ça va faire trop long. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, un commentaire, c'est important pour moi. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis, on se donne rendez-vous pour notre séance immersion en salle.